en place. Et là aussi, le président Cyril était obligé parce qu'il disait à l'époque. Et sur ce plateau, Ibrahima Abbé Sila, il est le président de la nouvelle génération pour le renouveau NGR en abrégé. Un des 12 candidats en lice à cette présidentielle du 18 octobre dernier, le parti a d'ailleurs obtenu un score peu honorable puisque c'est 1,13%. Même troisième force politique de pays. Oui, troisième force, quatrième force politique après le RPG, l'UFDG et le PADES. C'est ça, Ibrahima Abbé Sila, c'est votre score? Troisième, je pense. Troisième, d'accord. Bon, bref, je tombe bien là. Ouais. Vous êtes en train de débattre quelque chose dont je connais bien. Alors, bonsoir. Les aboutissants. Bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelle analyse vous avez faite de ces résultats proclamés par la CENI? Si vous m'avez bien suivi, pendant tout le temps que j'ai passé en Guinée avant les élections, j'ai toujours parlé de la CENI. La CENI que nous connaissons tous et la CENI parallèle qui prépare les résultats dont vous avez dans votre dont vous venez de lire. Mais cette fois-ci, ils ont été pris de vitesse. C'est comme si par qui? Ah, par la technologie. Donc pas par vous, mais par la technologie. Par la technologie. Le frère de l'UFDG avait mis un système très performant. Vous voulez équipant, parler de Sélou Dalla Diop? Oui, en équipant ses délégués dans les bureaux de vote avec des smartphones qui pouvaient non seulement scanner et envoyer sur place. Donc, vous avez, s'ils avaient activé, je suis sûr qu'il l'a fait, l'emplacement. Alors, vous parlez pas dans le doute, vous parlez avec les nouvelles technologies. Non, attendez, je vais vous expliquer. D'accord, mais vous si aurez vous aurez eu l'heure, le lieu et le lieu exact et la date de l'exécution des activités. D'accord. Donc, au moment où vous prenez, tout est là, quoi. C'est clair. Et le transfert se fait automatiquement. Ça va dans le serveur. Vous voulez nous quelque dire part que à Tokyo ou à Washington ou à Londres, tu ne le verras jamais. Oui? Vous voulez nous dire que vous reconnaissez dans les résultats qui ont été publiés par l'UFDG? Mais c'est purement la nouvelle technologie. Non, mais ce n'est pas ça la question. Je demande si vous... Oui. Vous vous reconnaissez? Vous reconnaissez ces résultats? Oui, oui. Les résultats compilés avec beaucoup d'imperfections. Écoutez, on a l'habitude, comme le disait tantôt un de nos confrères, à faire beaucoup de fraude dans ce pays. Pendant les élections législatives, j'avais dit que nos sondages, quand on avait fait le sondage, on avait 80% de l'électorat. Et nous nous sommes retrouvés, même pas avec un député. Alors, c'est le même scénario quand tu me dis que j'ai 1,4, eh bien, tu comprends quoi. Mais cette fois-ci, ils ont été pris de vitesse. Aussi, ça, ils doivent reconnaître. Et non mais seulement la ça, question de la mine monument, et c'est pourquoi les États-Unis vous ont dit... Vous vous reconnaissez donc dans ces résultats proclamés par l'UFDG? Oui, avec pas seulement avec l'UFDG, j'avais des hommes un peu partout sur le terrain qui m'ont remonté. Au lieu de vous adosser sur vos résultats, vous parlez plutôt... Non, mes résultats propres, donc je te dis, quand tu m'as dit 1,4, je dis ça ne reflète pas mon parti quand même. Bref, ce que je veux dire, ils ont été pris de vitesse. Et il est temps maintenant qu'ils réalisent que réellement, il est temps d'annuler ces élections, peut-être reprendre, trouver une solution à l'amiable pour trouver une porte de sortie pour la Guinée, parce qu'on n'a pas besoin d'être dans de telles situations. Sans quoi... Et qu'est-ce que vous avez remarqué sur le terrain? Et vos délégués vous ont rapporté bon, par exemple, à Lola, dans toute la forêt, j'ai les résultats que mes délégués m'ont remonté. D'accord. Ils surveillaient tous les bureaux comme l'a fait l'autre équipe de M. Dalin. Et qu'est-ce qu'on a remonté concrètement? À Lola, par exemple, il était le gagnant. Qui était le gagnant? C'était Sylou, et quand les résultats sont sortis, il était derrière par 10 000 voix. D'accord, oui. Alors, c'est le vieux... C'est le même résultat que vos délégués. Sylou devient le gagnant? Oui. Sylou devient le gagnant, selon ce que vous venez de dire, et par rapport aux résultats qui ont été proclamés donc par le président de l'UFDG. Et vous, M. Abbé Sila, président du parti NGR, vous venez... En troisième position. Troisième position toujours? Oui, oui. Même avec les résultats qui sont proclamés par la CENI? Oui. D'accord. Est-ce que vous aviez des représentants au niveau des 15 000 bureaux de vote? Pas les 15, mais j'en avais au moins 7 000 à 8 000
représentants. Alors, comment est-ce que vous avez pu centraliser, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, que vous avez eu vos représentants qui étaient au niveau des bureaux de vote et qui vous remontaient les résultats? Vous savez, comme avant même d'y aller, il y avait quand même un partage d'informations à tous les candidats. Donc, j'étais représenté partout. Voilà. Alors, vous êtes représenté partout. Vous parlez des résultats donnés par Cellule d'Alain Diallo. Hier, nous l'avons eu sur cette même antenne. Sauf que dans ces résultats donnés, il y a beaucoup d'incohérences. La toute première, on attribue des résultats à une circonscription à laquelle il n'y a pas eu de vote. Comment vous expliquez ça? Ah, vous parlez Gambie, Ghana? Non. Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, oui. Ghana, les deux commencent par G. Ah, donc c'est Guinée. L'explication que vous donnez. Voilà, et quand vous regardez les résultats, c'est correct, sauf le nom. Ah, mais c'est là. Oui. Vous parlez de technologie. Oui. Là, vous acceptez. Non, quand tu le mets sur le Excel sheet, ça c'est autre chose pour le rapport. Oui. Mais je parle que ils ont été pris de vitesse. D'accord. C'est les techniques qu'ils ont toujours utilisées ici. C'est le d'Alain Diallo dans ce document. Oui. Qui le donne gagnant. Oui. C'est sans compter les résultats de la région de Kankan. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il faut annuler la région de Kankan et pourquoi? Oh, nous avions été, nos délégués n'ont pas eu accès dans les bureaux de vote. À Kankan et, oui. Ah bon? Dans la préfecture urbaine, hein, toute la région? Partout. Partout, on avait des délégués, on les a bloqués. Vous aussi? Non, moi, je n'étais pas là. Non, vos délégués à vous aussi? Oui, c'était tout le monde. Ils ont été bloqués, ils ont été interdits d'accès à Kankan. Oui, mais c'était pas possible. Ah bon, le jour du vote. C'était tout un autre pays, bon ça. Mais c'est pas l'information que nous avons reçue par contre ici dans ce studio ce jour quand on assurait la soirée électorale avec nos correspondants. Nos déployés. Ce qui est un peu marrant, les résultats que vous avez donnés à la radio n'étaient pas les résultats des urnes non plus. J'ai tous les trois. Non, nous avions des déployés sur le terrain qui ne nous ont pas dit que les délégués des partis politiques sont interdits d'accès dans les bureaux de vote de la Haute-Guinée. Mais alors là, même à côté, la Koya, par exemple. Non, nous parlons de la Haute-Guinée. De la région de Kankan. De la région de Kankan, le seul problème que j'ai sur cette région, écoutez. Moi, mes aïeux viennent de Siguirim pour commencer. Donc, je ne peux pas quand même mentir dessus. J'ai fait ma campagne à Siguirim. Je n'ai eu que 800 voix. Ce qui est étonnant pour quelqu'un dont l'origine est de cette ville. Ah, donc, ça s'explique par ça. Non, pas seulement ça. Je vais vous dire. Allez-y. Le nombre de votants, le nombre de Siguirinka qui sont sortis ou de Kankané qui sont sortis pour voter, le pourcentage était faible. Ils ne sont pas sortis comme l'a rapporté en Haute-Guinée, pas à 100%. Comment vous avez su ça? Mais c'était connu. Par qui? Comment vous l'avez su? Vous n'avez pas, vous dites que vous n'avez pas de représentants, mais tu sais qui se passe. Mais j'avais des représentants. Ah, d'accord. Allez-y. Mais pas dans les bureaux de vote. La majorité des bureaux de vote. D'accord. Oui, ça se balise. Alors en gros, vous êtes d'accord avec l'UFDG sur les imperfections qui auraient émaillé le processus électoral. Vous êtes hier avec d'autres, vous êtes allé lui témoigner votre solidarité. Aujourd'hui, vous étiez en concertation. Finalement, vers quoi on s'achemine dans la perspective de la solution? Mais là, nous sommes convenus sur 4 points que c'est en rédaction présentement. Mais on a donné quelques grandes lignes aux journalistes qui étaient là-bas. Ils sont tous au courant. Je ne peux rien dire jusqu'à ce qu'on finisse de rédiger ce... l'annonce. Donc, mais vous allez saisir la Cour constitutionnelle, oui ou pas? Mais le problème que j'ai à propos de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas s'ils sont au niveau, peut-être c'est des bons juristes, mais ils ont la formation de comprendre la technologie qu'on viendra présenter, c'est ça? Ah bon, est-ce qu'ils pourront évaluer les données? Vous doutez de leur qualification à pouvoir juger? Oui, non, mais est-ce que... Est-ce qu'ils pourront vraiment comprendre? Mais est-ce que les documents sont déclarés recevables? Est-ce que c'est le type de document qui doit être... Mais il faut que nous avançons en Guinée, il faut que le pays avance. Oui, non, mais pour avancer, la loi aussi doit intégrer les nouvelles technologies. Si la loi ne les avait pas... La loi a été violée depuis le départ. Je vous dis une chose. Dans les bureaux de vote de Koya, par exemple, même la dame de CENI, la représentante, c'est après 2 heures qu'elle était à mesure de s'installer.
Et en plus de ça, il y avait les ministres, les préfets qui sillonnaient toute la ville, qui ne voulaient pas perdre. Parce que le problème, c'est qu'ils étaient inondés par les fonctionnaires de Conakry. Et à tout coup, il fallait gagner sa ville. Ou bien les conséquences, ils le savent, hein, ils seront mis à la porte. Mais vous ne le savez pas? Si, je le sais. Ah bon? Oui, parce que je l'ai témoigné à plusieurs coups. L'autre imperfection, toujours dans les résultats proclamés par Selo, dans lequel résultat vous vous reconnaissez, quand vous faites la totalisation des voix, ça dépasse les 100%. C'est aussi le jeu d'Excel? Non, pas du tout. C'est quoi ça? Je ne suis pas rentré dans ces détails. Non, pourtant, avant de vous... Donc, ça ne vous a pas intéressé. Tu me poses une question dont je n'ai pas eu à faire l'analyse. D'accord. Alors, selon vous, il n'y a pas eu d'élection. Les élections n'ont pas été transparentes. Comment vous commentez alors les déclarations qui ont été faites par les observateurs de la CEDEAO et de l'Union africaine, et des Nations Unies, qui ont salué le caractère pacifique, inclusif du scrutin. Ce qu'ils ont déclaré, c'était vrai, dans ce sens que les élections se sont très bien passées. En Guinée, comme toujours, c'est après 18h, 20h, quand ils ont fini de faire les PV, que les requins jaillissent sur les bureaux de vote et font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et c'est ce qui s'est passé, mais malheureusement, cette fois-ci, et on les a pris avec le pantalon en bas. Là. Oui, mais vous les avez pris Vous étiez représenté dans les CACV. Oui. Vous étiez représenté dans les CACV. Mais bien sûr, on les a virés dans quelques préfectures. Carrément. Quelles sont les préfectures où vous avez été On l'a fait à Zérékoré, on l'a fait à Koya, on l'a fait dans plusieurs préfectures. Ils étaient interdits. Les gars étaient là, ils pouvaient rentrer. Monsieur le Président, vous dites que vous avez eu vos résultats qui vous ont été remontés par vos représentants. Bien sûr que oui. Alors, qu'est-ce qui vous rassure de la sincérité des résultats qui ont été remontés par vos représentants? C'est pas parce que ce sont vos représentants que vous allez croire quand même forcément à ce qu'ils vont vous donner comme résultat. Bon, écoutez, si j'avais utilisé cette technologie, et je pouvais. Je l'ai au bout du doigt, ça, c'est pas coûteux pour le faire en plus. Mais je n'ai pas pensé. Mais il faut donner quand même le crédit là où le crédit doit être. Le monsieur, il a minutieusement présenté ça. Il avait, contrairement à moi qui avait 12 000 représentants, il en avait 32 000 pour couvrir toute la nation. Mais malgré, on a enregistré ou relevé des imperfections. Mais ça, c'est négligeable quand vous regardez l'ensemble. Vous admettez quand même qu'il y a des imperfections. Bien sûr, de tous les côtés, mais c'est minimum. Contrairement à ce que je viens de vous décrire. Donc, vous rejetez les résultats qui ont été donnés par la CENI. La CENI, ils étaient clairs là-dessus. Non, attendez, je vais te dire pourquoi. Ils ont dit à mes représentants, parce que j'avais des observateurs au niveau de la CENI, ils ont soulevé les imperfections. La CENI les a dit qu'ils ne sont pas là pour corriger, qu'ils sont là pour transmettre au niveau de la Cour constitutionnelle qui va juger. Et ça aussi, c'est la loi qui le dit, hein? Voilà. Donc, si c'est la loi, moi, c'est pas la loi, mais ils n'ont rien fait. Ils ont tout simplement rempli leur dossier, signé et transmis. C'est la Cour constitutionnelle qui va finaliser les résultats. Voilà. Donc la CENI n'existe pas, c'est comme une caisse en résonance, et puis on l'amène et puis... vraiment, je ne connais pas. Je ne sais pas quel est leur rôle dans ces conditions. Selon certaines indiscrétions, vous avez obtenu beaucoup de voix en Fouta. Vous confirmez? Autant qu'en Haute-Guinée, autant qu'en forêt. Dans quel... Sur l'ensemble du territoire. Oui, mais à quel niveau exactement vous en avez eu beaucoup plus? Est-ce en Basse-Guinée? Non, à Télémélé, parce que Télémélé, c'est à côté de Kindia, d'où je viens. Donc, ce tronçon-là, dès que tu dépasses la frontière de Kindia, c'est encore nous, les sous-sous. Hein, ils ont voté massivement pour moi dans cette région. À Télémélé? Oui, oui. Et où encore? À Kindia, bien sûr, à Kams, à Boké, à Dubrika,
dans toute la Basse-Côte. Et justement, à Télémélé, selon certaines indiscrétions, puisque vous êtes de Tinclay, c'est le Dalain Diallo aussi, quelques électeurs s'étaient trompés. À cause de la ressemblance. Non, mais alors là, vous vous trompez. Écoutez, non, j'ai dit selon certaines observations. N'oublie pas quand vous-même, vous dites qu'à Télémélé, vous avez obtenu. Écoutez, alors que c'est une préfecture qui a souvent été remportée massivement par l'UFDG. Non. Télémélé? Non. Moi, j'étais deuxième en 2010. Derrière qui? Derrière celle-là. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit là. Dans tout le Fouta? Oui. Alors? Oui, c'est ce que j'ai dit dans tout le Fouta. Mais pourtant, moi, je suis de Sigrine d'origine. Qui se trompe à cause des deux teints. Ouais, ben, si c'est ça, eh ben, c'est je le remercie infiniment. D'accord. Et je l'apprécie. D'accord. Alors, si on s'en tient à ce que vous dites, c'est le Dalain Diallo aurait remporté les élections, est-ce que cela justifie pour autant qu'il se soit déclaré autoproclamé vainqueur? Là aussi, ça dépend. C'est la technologie qu'il avait, qui l'a permis de faire. Ça, oui. C'est un. Non, mais est-ce que le attendez, fait de disposer des résultats... Non, non, ça se fait à travers... C'est comme ça que ça se fait à travers le monde. Quand tu es en compétition pour les présidentielles et que tu as les résultats devant toi qui te mettent devant par 10, 5, 20 points, tu le dis. Oui, mais le jeu... Parce qu'on ne peut pas se déclarer tant que les votes ne sont pas finis. Une fois que les votes sont achevés, le comptage au niveau des bureaux terminé, mais tu es libre de dire je suis gagnant. Oui, partout dans le monde. Oui, mais on dit ici que c'est la CENI qui doit le faire. Mais ceux qui ne comprennent rien avec la nouvelle technologie qu'il avait, ils pouvaient le faire. Eux, ils étaient là mais en train de faire des magouilles. Mais la loi interdit à un candidat de se proclamer président. On dit que la loi interdit à un candidat. Non, mais c'est comme un match de football. Bon, ça, c'est comme un match de football. Chacun est là. Et c'est, l'ironie, c'est que quand Selou s'est prononcé. En tête, ses supporters sont sortis pour danser. Et quand la CENI a annoncé que le président actuel est gagnant, ils sont sortis pour danser. C'est normal, il faut les laisser jouir de ce moment. Chacun supporte son candidat. Si c'était moi, peut-être Tukindia allait sortir en train de danser. Voilà. Oui, non, mais si chacun. Ah, pourquoi Tukindia doit sortir? Pardon? Pourquoi c'est Kindia qui doit sortir? Ah, parce que c'est là-bas ma ville, non? Mais si tout le monde doit se déclarer à un moment donné en fonction de ses propres résultats, est-ce que ce n'est pas source de confusion? Non, pas du tout. Parce que ah, déjà... Non, attendez, je vais être clair là-dessus. Allez-y. C'est-à-dire, les votes sont terminés, c'est fermé. Le comptage est fini. Donc, si lui, il a la technologie... pour se donner ses résultats à lui, il peut dire ce qu'il veut. Ce qu'il dit a du sens. Alors, oui, c'est lui qu'il a... Permettez, donc, c'est à nous maintenant d'équiper, de former non seulement la CENI à avoir cette capacité de le faire pour qu'on ait les résultats prochainement, plus rapidement, mais mon inquiétude maintenant, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle. Je ne sais même pas si ces gars sont habilités à comprendre cette technologie. Alors, Selou avait des observateurs, ses délégués sur le terrain qui lui ont fait des remontées d'informations. PV accumulé, donc il s'est déclaré gagnant. Oui. Et comme l'a dit Sanso, un autre candidat pouvait dire la même chose. Mes délégués m'ont fait des remontées d'informations, m'ont remonté mes voix sur, tu sais, sur le terrain. J'étais prêt à le faire. Je ne l'ai pas fait parce que quand j'ai vu mes résultats, comme il a dit, c'était médiocre. Voilà. Non, comme pas que je l'ai dit, mais c'était réel. Vous l'auriez fait? Oui. Sans arrière-pensée, si j'avais cette technologie et j'avais les données. Vous donnez un gagnant sûr, mais pourquoi pas? Et sans se soucier de la loi qui dit que. Quelle loi dit cela? Écoutez, non, c'est là où je veux venir. Il faut bien lire les lois de la Guinée avant de dire ça, c'est une loi. Vous permettez? Oui. C'est là où je veux venir. Monsieur le Président, oui. Je me rappelle très bien à l'occasion du dépôt des candidatures à la Cour constitutionnelle. Oui. Lorsque vous venez, vous déposez votre dossier. Il y a le président de la Cour constitutionnelle qui s'adresse à vous. Qu'est-ce qu'il vous dit? En vous demandant. Non, qu'est-ce qu'il vous dit? Il va rappeler. Il doit rappeler parce qu'il était là-bas. En vous demandant de vous soumettre aux principes, aux exigences. Pendant tout le processus, parmi lesquelles exigences, il y avait justement ce que Lamine dit tout à l'heure, le fait de ne pas s'autoproclamer ou bien se déclarer vainqueur avant la proclamation de résultat provisoire. Qu'en dites-vous par rapport, puisque vous étiez là-bas aussi? Et il a souscrit. Moi, je n'ai pas... Non, mais il le dit. Peut-être, le président de la Cour constitutionnelle Mais je ne me rappelle pas de ça. Vous vous rappelez? Moi, j'étais là pourtant.
Ah bon, bon. Il l'a dit à l'occasion du dépôt de candidature du président de l'UFDG. J'étais là pour celui de Macalé. J'étais là et à chaque fois, le président de la Cour constitutionnelle revenait sur, il rappelait en fait, sur les exigences, les principes préalablement établis que vous, en tant que candidat, vous devez respecter durant le processus. À partir du moment où le candidat a fini de déposer son dossier jusqu'à la proclamation définitive des résultats, il faut s'abstenir de certaines déclarations, y compris naturellement le fait de s'autoproclamer ou de se déclarer vainqueur. Bon, écoutez, peut-être on ne se comprend pas. Aux États-Unis, où moi je vis avant de venir d'être candidat dans mon pays natal, les résultats ne sont même pas prononcés par la CENI. C'est prononcé par les journalistes. Oui, mais les États-Unis, et là. Ils peuvent donner les chiffres sans qu'il y ait tous les données. Mais les réalités ne sont pas les mêmes. Non, mais c'est que nous n'avons pas les technologies. Et non, pas technologie. Alors, si tu l'as, il faut l'appliquer. Pas technologie. Vous dites qu'aux États-Unis, il n'y a pas de CENI. Ici, en Guinée, il y a CENI. Si, ils en ont. Attention, ils en ont. Mais c'est l'administration qui organise aux États-Unis. Pardon ? C'est l'administration qui organise les élections. Non, ils sont indépendants, hein? Complètement indépendants. Oui, mais c'est l'administration qui organise, pas la CENI telle qu'on le. Pas l'administration. Je m'excuse, pas l'administration. C'est qui donc ? D'accord. Maintenant, mais en ils Guinée. Ils sont indépendants, c'est des agences qui appartiennent aux États. Mais on vous dit en Guinée qu'il y a une structure dédiée à l'organisation des élections dans notre pays. Mais c'est ils sont caduques. Leur loi ne répond plus aux règles de 2020. Oui, non, mais en attendant, c'est celle-là qui prévalent. Ce sont ces lois-là. Mais écoutez, montrez-moi la loi. Dans la Constitution ou ailleurs, il ne faut pas dire ça c'est une loi. Est-ce qu'il y a eu une loi passée dans... Je suis à l'Assemblée nationale. Montrez-moi cette loi. Non, mais le code électoral stipule clairement que c'est à la CENI de proclamer les résultats provisoires. C'est la CENI qui déclare, justement, les résultats totaux globaux provisoires. Voilà. Est-ce qu'ils disent que c'est interdit aux candidats de donner ces chiffres? Mais quand on dit que c'est la CENI qui doit le faire, ça veut dire que c'est interdit à toute autre personne? Non, officiellement, oui. C'est pourquoi quand Selou s'est prononcé, personne ne l'a appelé pour le féliciter. Personne. C'est normal, ça ne regardait que Selou et ses hommes. Et on a attendu que la CENI nous donne les chiffres. Maintenant que la CENI a donné des chiffres qui sont différents de ceux que Selou Dalein Diallo a donné. Mais là, c'est là le problème maintenant. Tu sais, je l'ai toujours dit, il faut que la Guinée avance. On ne peut plus vivre comme avant. Et il faut donner un bon exemple à nos enfants, les enfants. L'avenir de ce pays dépend de l'éthique des leaders et de ce pays qui vont faire de la Guinée ce que nous sommes demain. Donc, si la technologie aujourd'hui nous a démontré qu'on ne peut plus faire comme avant, alors il faut changer. Maintenant que vous êtes à l'Assemblée nationale, tout ce que vous dites là, est-ce que vous n'allez pas formuler ça en proposition que de violer la loi? Je le ferai. Parce que alors, la loi, quand elle est en vigueur... Écoutez, je n'avais pas de magie pour le faire avant d'être candidat, bon ça. Monsieur Abessina, alors, il y a les autorités, le pouvoir qui pointe, bien évidemment, la déclaration de Elias Selou Dalein Diallo et estime que ça a été la source de toutes les violences que le pays a... Et là, je condamne ces violences. Voilà, alors... Personne n'est permis de sortir pour casser la maison de quelqu'un ou enlever les poteaux ou autre. Le pouvoir dit que c'est parce que Selou s'est autoproclamé vainqueur que les violences, que nous avons enregistrées ont éclaté dans le pays. En partie, oui, je suis d'accord. Mais c'est pourquoi je condamne tout ce qu'on fait la violence, inclus tous, des deux côtés, hein. Surtout aussi les militaires qui sont venus, qui ont... Non, vous êtes en partie d'accord que la déclaration de Selou a débouché sur des violences? Oh, en partie, mais ça, c'est même un match de football, de fois. Ça se passe comme On a comme l'impression que
on vous pose une question, vous donnez une réponse. Quand on vous la repose, vous évoluez en donnant d'autres éléments de réponse. On, bien, on m'a parlé de vous. On m'a dit que vous êtes 4 contre 1. Ibrahima Abe. Je suis fier d'être avec vous. Hein. Alors, comment vous les avez trouvés? Est-ce que si celui d'Alain Diallo ne s'était pas autoproclamé, on aurait enregistré ces violences? Peut-être pas. Donc, vous n'avez pas apprécié? Peut-être aussi, oui. Non, je n'ai pas apprécié les violences. Non. Je suis vraiment contre les violences. Surtout quand il s'agit de gâter les lampadaires. Vous les avez constatées? Oui, oui. C'est des violences sans précédent. Hein? Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez dit, quand vous l'avez rencontré hier, c'est le d'Alain Diallo, le degré de violence enregistré sur le terrain? Non, là, je suis allé pour le voir d'abord son après état. Après son déconfinement. Non, pour voir d'abord son état, ça c'est un. Et aussi, quand vous êtes un leader avec lequel vous êtes dans le même bateau, c'est-à-dire j'étais candidat comme lui. Tout comme Alpha Condé. Si on encercle sa maison aujourd'hui, demain, ils peuvent me faire la même chose. Non, mais vous, donc, vous n'êtes pas autoproclamé. Non, pas du tout. Voilà. Donc, comment vous pouvez craindre la même chose alors que vous n'avez pas eu la même démarche? Non, mais c'est quand même un leader politique. Et personne n'avait le droit d'aller encercler sa maison. Si tu avais vu l'armada qui était là-bas... Hein, vous l'avez vu? Oui, de passage, j'ai vu ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'était impressionnant. Pourquoi vous n'étiez que 3 et pourtant vous êtes une dizaine engagés dans ce processus-là? Et pourquoi les autres ne sont pas allés? Est-ce que vous ne les avez pas appelés? Non, non, tout le monde était... Tout le monde était, on a fait une note à tous les leaders politiques. Qui l'a fait singulièrement? Oh, ça reste confidentiel, mais tout le monde était invité. On avait dit à 6h, nous allons voir un de nos leaders politiques qui a eu ce problème. Mais sympathiser avec lui, c'est normal. Donc, et les autres ont motivé le fait de ne pas venir par quoi? Oui, Ousmane est à Cancan, l'autre aussi est à Cancan, le médecin, peut-être ils étaient pris. Oui, oui, c'est ça, peut-être ça. Mais d'autres sont là par contre. Bouya est là. Makale Camara est là. Il faut leur demander pourquoi ils ne sont pas venus. Non, mais vous avez. Mais ils ont été sollicités, c'est ça? Oui, oui, tout le monde avait été invité. Alors. Oui, permettez-moi de revenir un peu sur les résultats publiés par Selou, dans lesquels résultats vous reconnaissez, monsieur le président de la NGR. Vous avez combien dans ce document-là? C'est plus élevé que ce que vous venez de me dire. Vous devez le savoir au moins, monsieur le président, non, si vous le connaissez. Ça ne change pas grand-chose. Ça change quelque chose. Sauf parce que je suis troisième, c'est tout. Oui, c'est tout ce que vous a intéressé. Ce que vous avez gagné ne vous intéresse pas. Non, pour le moment, si tu es troisième, tu es éliminé d'office. Donc. Oui. Non, c'est combien le chiffre exact? Non, je n'ai pas en tête, franchement. Je ne peux pas vous raconter des bêtises. D'accord. Monsieur le président, l'un des rares candidats, voire même le seul candidat, qui a reconnu les résultats provisoires publiés par la CENI, si j'ai bonne mémoire. Il n'y a pas le seul, il y a Souleymane Diallo aussi. C'est de lui, je veux parler. Non, il y a Doré, Ousmane Doré. C'est pourquoi j'ai dit, si ma mémoire ne me trahit pas. Non, les deux. Très bien. Est-ce que vous les avez associés? Je me dis que peut-être ils sont un petit peu en porte-à-faux avec vous. Non, pour avoir reconnu les résultats provisoires, non, tout le monde, vous ne les reconnaissez pas. Pardon? Les résultats provisoires, vous ne les reconnaissez pas. Oui, jusqu'à mais eux, ils reconnaissent les résultats provisoires. Oui. Pourtant, ils font partie des candidats qui sont en liste pour la présidentielle. Tout à fait. Est-ce que vous les avez associés dans le collectif que vous avez mis en place? Mais bien sûr, même dans l'après-midi-là, nous étions ensemble. Alors là.